Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le club Mercato Bordeaux, l'émission consacrée au Mercato à Bordeaux, et oui, comme le nom l'indique. Vous retrouverez vous retrouvez cette émission chaque semaine, le jeudi à 18h si l'actualité le permet, et aujourd'hui elle le permet. Elle est accessible aussi en replay dès 19h, recoiffe-toi, monsieur Marvin Capes qui est là. Salut Marvin. Salut Nico, salut tout le monde. Comment vas-tu? Eh bien ça va, on a une semaine animée du côté des Girondins, donc ça fait plaisir. Ah là, ça bouillonne. Des bonnes nouvelles hier, ça y est. Ça bouillonne, on va pouvoir parler tactique, mercato, style de jeu, joueur, ce qui nous plaît l'été finalement, hein, quand il y a une préparation d'équipe où tous les espoirs sont permis, on va pouvoir en parler ensemble. Merci d'être là Marvin pour la deuxième semaine consécutive avec la bonne idée que tu vas nous donner tout à l'heure. Toujours. Tiens, petit indice bonne idée, très différente de la dernière fois. Je te laisse distiller un indice. Elle sera présentée vers 18h35-40, hein, la bonne idée. Je te laisse le donner. On va parler Copa Libertadores, donc Ligue des Champions Amérique du Sud aujourd'hui. Ah, ça, c'est un sacré indice que on tu donnes. On va voyager. On va voyager. Bonne idée, vous connaissez le principe. C'est une idée mercato pour les Girondins. C'est ciblé par rapport au poste recherché, par rapport aussi au prix. Voilà, c'est ton idée, c'est ta bonne idée, on en parlera tout à l'heure. Je salue tous ceux qui sont connectés, je vois, sur les réseaux. C'est magnifique. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo. Vous savez que ça nous aide pour le référencement de la vidéo, notamment sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, mais venez vous abonner à la chaîne YouTube. Je remercie les sociaux, sans qui cette émission n'existerait pas. Si vous le pouvez, vous aussi, devenez sociaux. Et soutenez-nous sur Web Girondin. Donc, c'est nouveau. On a lancé quelque chose en catimini. J'ai pas trop fait de bruit là-dessus. Ça a été lancé hier. C'est nouveau. Ça permet de nous soutenir. En plus de la Web TV, des sociaux qui nous soutiennent, vous pouvez soutenir aussi le site Internet. Et on a regroupé un soutien en une seule participation avec le lien suivant. Donc, si vous le pouvez, soutenez-nous. Je vais vous envoyer le lien sur les réseaux, voilà, je vous l'envoie comme ça. En fait, c'est quoi l'idée? C'est que vous pouvez devenir abonné de Web Girondin, sociaux et abonné au site Internet. On regroupe ça en une seule offre. C'est assez simple, vous aidez la Web TV. Et si vous vous abonnez à Web Girondin, vous supprimez toutes les publicités intrusives sur le site. Plus de publicités quand vous naviguez sur le site Internet et sur votre smartphone. Vous avez aussi l'accès au Discord. Vous avez votre nom générique si vous le souhaitez. Et vous aurez surtout un accès à des publications exclusives pour tous ceux qui nous soutiennent, qui sont réalisées chaque semaine avec un journaliste qui travaille avec nous, Adrien Mathieu, justement, Scipion, que vous connaissez peut-être, qui fait publication et un spécialiste data. On a fait une première publication aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de vous apporter le meilleur contenu possible. C'est nouveau. On le lance tout doucement. Si vous avez des questions, vous pourrez me contacter et les poser. On a mis en place une adresse email, c'est contact@webgirondin.com. Il y aura certainement des ajustements à faire, des ajustements techniques, mais pour l'instant, ça fonctionne parfaitement. L'idée, c'est de vous proposer la meilleure expérience autour de l'actualité des Girondins de Bordeaux, que ce soit sur la Web TV ou sur le site Internet. Vous apportez du contenu, de la qualité et aussi du participatif. Si vous êtes déjà sociaux, eh bien, ça ne change rien. Vous pouvez rester sociaux après, mais si vous souhaitez aussi soutenir les publications sur le site Internet, dans ce cas-là, vous pouvez arrêter votre participation Tipeee et la prendre directement sur le site, dans le lien que j'ai donné. Il est aussi dans la description. Vous faites comme vous avez envie. Voilà. Est-ce que c'était clair, Marvin, mon explication? Ah, très clair, on ne pouvait pas faire très plus. Clair. Bon, ouais. C'est magnifique. Place au mercato. Je vous remets le lien là. Je crois que j'ai vu passer quelqu'un qui me demandait sur le chat. Place au mercato et au sommaire de cette émission. Regardez, ça va s'afficher sur votre écran. On va regarder si l'enjeu il a changé, l'enjeu du mercato par rapport à la semaine dernière. On se reposera la question pour savoir si Bordeaux a une enveloppe pour recruter. Vu que la DNCG est passée, on fera un point côté départ, côté arrivée, la bonne idée que tu as préparée avec l'indice que tu as donné tout à l'heure, Copa Libertadores, l'indice, la balance des transferts et le question-réponse si on a un peu de temps et si j'ai sélectionné vos questions pendant cette émission. Tiens, il y a Franzou, il nous dit « J'ai trouvé la bonne idée. » Ah, peut-être. Donne le nom. Après, si il m'a sur Twitter et qu'il suit mon profil, c'est dedans. Donc, Ah ouais. Salut à Donatien qui est là, Frédéric, Karine, Willy, Tony, Jérôme, Cyril,
Qui nous dit une photo dédicacée, Nico. Non, les gars, je peux vous dire. Boire une bière. Ouais. Avec modération, bien sûr, ou sans alcool. Tiens, regarde, Yann Walter. Je regarde vos messages, franchement, c'est du bonheur. Yann Walter, il dit bonne idée, un joueur de Coritiba. Expérience. Ça se pourrait. Hein. Gros volume de jeu, il connaît la Ligue 2. Ça non, se pourrait. Pas ça. Bah après, il connaît pas la Ligue 2. Après, il y a un gros volume de jeu, non, expérience mais... jeune, mais bon. T'as compris à qui il faisait allusion? Bien sûr, à l'international français, François Serge. Bien sûr. Oui, salut à Noël qui est là aussi. Salut Christian. Salut à toutes et tous. Je ne peux pas vous citer tous, mais je vous remercie. Coritiba. Oli Babi Babi qui te dit salut à tout le peuple. Il y en a un qui dit Maximiliano Romero. Non, c'est pas lui, la bonne idée. Non. C'est pas lui. C'est pas lui, mais essayez. Essayez, essayez. Maxi Romero, c'est pas celui qui joue à la Lazio. Ah non, mais il y a un crack à la Lazio, mais c'est un espagnol, je crois. Qui s'appelle. Moi, je suis pas assez expert hein, comme vous hein, ouais. pour regarder. Hein. T'as pas une âme de scouting encore? Non, mais je m'informe hein, beaucoup. Mais je ne peux pas tout faire. Donc il y a des gens qui sont spécialisés sur le scouting, comme toi ou d'autres, et je vous fais entièrement confiance. Allez, c'est parti. L'enjeu économique, sportif, autre. Mais l'enjeu, il est toujours économique. La grande nouveauté, Marvin, c'est que Bordeaux a passé sans encombre et facilement et avec réussite la DNCG. Ça veut dire que par rapport à l'été dernier, il n'y a pas d'encadrement de la masse salariale. Donc plus de liberté. Plus de liberté. Ça, c'est une grosse différence où on avait enregistré des recrues qu'à partir du 31 août la saison dernière, en début de saison dernière. Là, aujourd'hui, Bordeaux n'a aucune contrainte DNCG et ça, on peut dire que c'est un grand ouf de soulagement pour préparer cette saison. Est-ce que tu as envie de réagir à ça, réagir à cette nouvelle donne qu'on a aujourd'hui? Non, c'est un grand ouf de soulagement, oui, un gros changement par rapport aux derniers étés qu'on a vécu, où ça faisait 2-3 ans à chaque fois, soit on changeait d'entraîneur après une journée, soit il y avait des nouveaux joueurs qui arrivaient, quand Gérard Lopez était arrivé aussi en tout début de saison. Enfin, ça faisait 3 saisons qu'on démarrait l'exercice au final au 1er septembre. Là, au final, les entraînements n'ont même pas encore repris, qu'on peut se concentrer maintenant que sur le sportif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller claquer des sommes à tout va et se recréer des détailleurs, mais ça veut dire que enfin on va pouvoir se concentrer sur le sportif pendant un mois et demi avant le premier match officiel, sans devoir faire avec plein de concessions comme l'été dernier où on enregistre les recrues au dernier moment, où par rapport au salaire il faut bricoler et réduire les salaires à gauche, à droite. Bon voilà, là on aura un peu plus de liberté. Ça sera peut-être aussi plus simple pour attirer des joueurs. On va parler de Vesbeck la semaine dernière. On pensait que c'était impossible qu'un joueur aussi important en Ligue 2 comme Vesbeck vienne. Finalement, il est proche de Bordeaux. Et je suis très content parce qu'on a été les premiers à en parler sur Web Girondin le 5 juin, voilà, à la sortir cette info. Donc, je le souligne. Voilà, petite autosatisfaction. Félicitations à nous. Mais donc, beaucoup plus de liberté. Et je pense que le premier heureux dans cette histoire, je pense, c'est l'entraîneur et son staff, hein, David Guillon, qui va avoir les pleins pouvoirs dès le début de saison et pas devoir bricoler en attendant des recrues ou non, ou en faisant entraîner des joueurs qui finalement peuvent pas signer à la fin du mercato. Enfin, comme ça s'était passé les 2 dernières saisons, c'était compliqué. Là, on va commencer dans de meilleures dispositions. Donc, c'est Anmar Lopez maintenant qui doit. Il y a un Lopez qui a fait la différence à la DNCG. Maintenant, ça va être à l'autre Lopez de faire la différence sur le mercato. Voilà, je vois passer les merci Gérard sur le chat. Et il a joué son rôle d'actionnaire. Et ça s'est passé comme l'avait décrit David Guzman lundi dans le talk. Voilà, c'était ça. Il l'a fait. Écoutez, c'est super pour Bordeaux. En tout cas, ça fait plaisir. Au niveau de l'enjeu. Surtout quand on voit d'autres clubs français comme Nancy où les actionnaires ils ont abandonné le club. Et Sochaux. Et Sochaux. 22 millions de trous. Ouais. Sochaux, ils annoncent. Incroyable. Incroyable. Ouais. Néanmoins, l'enjeu, donc, il est économique. Alors, ça ne veut pas dire que Bordeaux a 40 millions pour recruter au mercato. Hein. Oui, voilà. J'exagère quand je dis ça. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a plus les contraintes de DNCG, on l'a dit. Est-ce qu'il y a une enveloppe mercato? Eh bien, on ne sait pas.
On ne sait pas s'il y a d'enveloppe mercato. On sait que Bordeaux ne va pas faire de folie. D'ailleurs, Bordeaux, pour Weisbeck, ça serait un prêt avec option d'achat. Comme David Tajvili. Comme David Tajvili. Bordeaux a levé l'option, on va le voir. Sur David Tajvili, on va le voir après. Donc, on ne sait pas s'il y a d'enveloppe. Il y a plus de latitude. On ne connaît pas non plus le budget de Bordeaux pour la saison à venir. Est-ce que... Moi, je crois que ça va être difficile de maintenir un budget à 40 millions d'euros. De toute façon, il faut le réduire. Après, peut-être que le club veut maintenir un budget haut, mais moi, je tablais plutôt pour un budget aux alentours des 30 millions d'euros. Et ce qui a fuité dans la presse, c'est que 8 millions d'euros de masse salariale. 8 millions d'euros, ça reste quand même élevé, ce qui te permet de recruter. Donc, ça ne veut pas dire que Bordeaux a une enveloppe mercato. Bordeaux va devoir jouer serré. Je rappelle quand même que l'année dernière, on l'a déjà dit, Le Havre, ils ont dépensé zéro. Hein. Zéro d'indemnité de transfert sur le mercato. Voilà. Comme quoi C'est possible. Il faut travailler. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ces deux points. L'enjeu mercato, la donne, elle est un peu différente et c'est bien parce que Bordeaux, elle est coup des franches. Oui, mais voilà, surtout Gérard Lopez, il a remboursé, on va dire, la dette. Donc, on n'est plus, on va dire, en négatif. C'est-à-dire que maintenant, peut-être pas que tout à fait, hein. Il resterait 3-4 millions d'euros de dette. Oui, la grosse partie, c'est-à-dire que avant, on va dire, l'argent qu'on aurait enregistré grâce à des ventes serait été pour combler la dette et on n'aurait peut-être pas pu forcément la réinvestir. Là, bon, peut-être que si on vend un joueur 5-6 millions, bon, ben, cette somme-là, on pourra partiellement l'investir dans un joueur. Sachant qu'il y a un prêt, il a fait un prêt d'actionnaire de 20 millions d'euros, ce que j'ai lu ce matin, je crois que c'est sur Sud-Ouest, qui disait. Et donc, il a fait un prêt de 40 millions d'euros, un prêt d'actionnaire 40 millions d'euros, et il y a 20 millions d'euros qui devraient rester, et il y a autre 20 millions d'euros qui va se rembourser avec les ventes des joueurs. Il faut rembourser, c'est un prêt, hein, faut rembourser. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'il faut savoir. On regarde tout de suite les côtés départ. Alors, côté départ, il y en a qui est officiel. Alors ça s'est rempli, oui, par rapport à la semaine dernière, tout à fait. Franz Sergio, Coritiba, qui part libre des Girondins de Bordeaux avec une indemnité de départ qui était négociée avec le club. Bon, voilà, il rejoint le dernier du championnat brésilien qui avait besoin de se renforcer au poste de milieu de terrain. Et Bordeaux a résilié son contrat. Il devait encore une année au club. On peut dire que c'est une bonne chose qu'il soit parti, Marvin. Oui. Oui, sportivement, oui. C'est... Son passage d'ici est un échec. Bon, bah, oui, sportivement, je pense que personne dira le contraire. Même si bon, bah, Braga, il avait été, on va dire, c'était pas ce qu'il a montré à Bordeaux. Mais bon, son passage d'ici, c'est un échec. Après, les conditions de son départ, évidemment, je pense que ça laisse un peu à désirer. Mais oui, si on parle que sportif, bon, on perd pas aux chances. Ouais, on va pas revenir sur Franz Sergio, on n'en a pas parlé en long, en large et en travers. Oui, donc voilà. Ça, c'est un départ important. Ensuite, concernant les autres départs, bon, on va les commenter là, dans la liste. Junior Manga, Strasbourg, qui serait dessus selon... RCSA, c'est ça. Ouais, Racing Club de Strasbourg, Alsace. Et oui, il y a le Alsace. C'est vrai que c'est un peu long comme dénomination. Strasbourg qui appartient depuis peu à la même structure financière qui dirige Chelsea, donc qui est devenu un club satellite, on peut le penser. Donc, ils sont intéressés par Manga, la Serie A, la Liga aussi. Voilà, il n'y a pas d'offre pour Manga, a priori. On ne les connaît pas. Josh Maja qui sera libre à partir de samedi. Demain. Il doit apporter une réponse là, aujourd'hui ou demain, sur le fait qu'il prolonge ou pas son contrat. Le club attend une réponse du joueur. Donc, on patiente du côté des Girondins pour savoir s'il va prolonger ou pas. Allez, moi, je me mouille, je pense qu'il ne prolongera pas. C'est peu probable. Je peux me tromper, mais je pense qu'il ne prolongera pas. Albert Celis, des pistes qui sont étudiées, qui discutent actuellement la Gold Cup avec l'Honduras, qui s'étudient en MLS, peut-être en Grèce, pour l'évacuer, pour lui permettre de jouer à un autre niveau. Tu peux commenter hein, à chaque fois, si tu as envie de dire... Elis, la MLS, c'est un championnat qui l'attire parce qu'il est d'Amérique du Nord. Donc, rien que déjà pour la visibilité de son pays, c'est mieux d'être là-bas. Et après, je le vois pas forcément en Europe. À Brest, il a très, très, très peu joué. Donc, ça m'étonnerait qu'il trouve un club en Ligue 1. Il ne veut pas jouer en Ligue 2. Donc, mis à part la MLS
qui, mine de rien, se développe. Hein. La MLS, c'est plus un championnat d'hommes. Pour moi, la MLS, ça devient de plus en plus fort. C'est plus fort que la Grèce, hein, par exemple, comme championnat. C'est bien plus compétitif. Donc, moi, je miserais plus sur un départ en MLS. Puis bon, on va y revenir, mais l'info, surtout, le nouveau départ de cette semaine, c'est Poussin, puisque ce serait vraiment un désir Alors, du club. on y arrive. Stian Gregersen, le joueur aimerait jouer à un autre niveau pour être titulaire en équipe nationale. Bordeaux aimerait le garder. Donc, on va voir si Bordeaux peut résister. Son indemnité de transfert évaluée chiffre Transfermarkt, 2 millions d'euros. Il regarde à l'étranger, Suisse, Serie A notamment. Dylan Bacqua, il y aurait une offre de Reims, 7 millions d'euros selon France Bleu Gironde. Et intéressé par la Bundesliga, 7 millions, ça commence à faire une somme intéressante pour l'ailier bordelais. Et on a sorti une stat d'ailleurs aujourd'hui dans la rubrique Data Girondin. Je fais bien sûr la promotion du média, hein, c'est normal, hein, puisqu'on sort des contenus exclusifs. Une stat des meilleurs dribbleurs de Ligue 2. Et on situe dans ce classement des meilleurs dribbleurs de Ligue 2, dribble réussi, la performance de Dylan Bakwa. Et Dylan Bakwa n'est pas dans le top 5, il n'y a pas de Bordelais dans le top 5. Par contre, il est sixième au classement des meilleurs dribbleurs de Ligue 2, Dylan Bakwa, cette saison. Et c'est le premier Bordelais. C'est le Bordelais qui réussit le plus de dribbles. Et il en réussit 61. Et c'est lui qui fait le plus de dribbles par match, 2,1 dribbles par match en moyenne, avec 44% de réussite. Un dribble réussi, donc c'est des stats qui viennent d'Opta. Un dribble réussi, c'est quand tu élimines un joueur. Il faut que tu récupères le ballon. S'il y a une faute sur toi, ou si tu élimines pas le joueur, c'est pas considéré comme un dribble réussi. Et écoutez bien la stat. Vous irez la voir sur Web Girondin. Je vais vous mettre le lien. Le deuxième joueur de l'équipe à réussir le plus de dribbles, d'après vous, qui c'est? D'après toi, qui c'est, Marvin? J'aurais dit Zuriko Daïtashvili, mais ça ne doit pas être lui. Eh bien non, c'est Junior Alziba. Mwanga, 42 dribbles réussis, 1,6 dribbles par match, 66% de réussite. Alors Mwanga, il se classe 29e au classement. David Tajvili, c'est le troisième Bordelais. Il est 40e au classement de la Ligue 2 sur les joueurs qui réussissent le plus de dribbles. C'est 1,8 dribbles par match. Il en a fait 38 cette saison. Voilà, je vous invite à le lire. C'est ici. C'est en accès libre pour ceux qui souhaitent s'abonner. Mais on vous fait découvrir les contenus aussi. Donc allez-y, allez le lire. C'est assez intéressant. Donc même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le lire parce que c'est la première fois qu'on le publie. Et si Donc on voilà échange de pour Bakoua. si on échange de Bakou aussi, on peut prendre Keba là, de reste, ce serait pas mal non plus. Je crois que c'est pas possible. Il est parti, je crois. Il a quitté le Paris FC, Kebal, ou pas? Mais il était prêté par Reims au PFC. Sais pas où il en est, Ilan Kebal. Ça, c'est une bonne question, mais je crois pas que ce soit prévu qu'il vienne à Bordeaux, ouais, prêté par Reims. Qui a très peu joué quand même la saison dernière. Hein. Ouais, c'est un joueur qui est un peu inconstant, quoi. 7 millions d'euros, ça commence à faire pas mal pour Dylan Bakwa. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu veux rajouter sur Bakwa? Cela, je pense que ce serait difficile d'espérer mieux. Donc non, 7 millions, c'est un bon chiffre pour la Ligue 2 et ce joueur. Je pense que c'est ce qu'il vaut actuellement. Donc c'est correct. On descend, et là, ce qu'on a appris il y a 2 jours, Hier. hier, non, c'est hier. Gaëtan Poussin, le club, a signifié à Gaëtan Poussin, son directeur sportif, lui a dit qu'il comptait pas sur lui la saison prochaine et qu'il devrait se trouver un autre club et qu'il serait numéro 2. Donc, annonce à laquelle, je pense, ne s'attendait pas le gardien bordelais. Donc, il est poussé vers la sortie. Je rappelle qu'il a prolongé en début de saison de dernière jusqu'en 2025. 25. Valeur transfert, Transfermarkt, 1,8 million d'euros. Ça serait peut-être pour rebondir en Ligue 2 ou à l'étranger, même si on peut penser qu'il aurait aimé s'imposer dans les buts et qu'il y ait de la concurrence entre les différents gardiens. Qu'est-ce que tu penses de cette décision du club de le mettre de côté? Je suis assez surpris que ça vienne du club parce que ben, jusque-là, il y avait beaucoup de crédit et une bonne importance dans le club et même dans le vestiaire, il faisait partie quand même des cadres. C'est un des plus proches de Barbet notamment, c'est un des plus anciens au club. Il a joué qu'en pro, il a joué qu'au Girondin. Donc je suis assez surpris que ça vienne du club en lui-même. C'est une décision forte. On sait que en général, quand on veut changer quelque chose dans un club, on change soit l'entraîneur, soit le gardien. Donc là, que le club veuille prendre notre numéro 1, et en tout cas veuille se séparer de Poussin.
Venant du club, c'est une surprise. Après, au vu des performances, malheureusement, ce n'est pas non plus une C'est pas grosse étonnant. sur. Ouais, c'est pas trop étonnant. Après, moi, j'ai toujours bien aimé le joueur et j'ai toujours aussi bien beaucoup aimé l'homme. C'est vrai que du coup, bah, vu toutes les attentes qui ont été placées en lui en début de saison dernière, si on fait un compte-rendu global, il a peut-être, il a pas répondu globalement aux attentes, il n'a pas rempli tous les objectifs. Donc là, on va dire, pour l'instant, c'est pas assurance tout risque Gaëtan Poussin. Et je pense que le club veut plus de garanties à ce poste. Mais donc, je suis surpris que ça vienne du club, mais c'est pas étonnant, malheureusement. Moi, je suis assez peu surpris parce que de toute façon, si Bordeaux montait en Ligue 1, on peut penser que Bordeaux, il était prévu. Oui, mais Je vu peux que vous le là on est en dire, Ligue je peux vous le 2. dire, il était prévu d'aller chercher un gardien si tu montais en Ligue 1. Et peut-être qu'aujourd'hui, au-delà du fait qu'il ait quand même progressé, mais ses performances peut-être apparaissent un peu justes, Aujourd'hui, c'est en un gardien de tenue, Ligue 2, hein. compte tenu de l'objectif d'aller chercher la montée. Donc voilà, on parlera des. Moi, ça me surprend qu'à moitié. Et j'ai presque même envie de dire, c'est peut-être même une décision logique si tu veux augmenter même le niveau de ton équipe, même si la défense était notre point fort cette saison, bah tu peux te dire que tu peux gagner peut-être en qualité en allant chercher un gardien plus expérimenté. J'ai des noms à vous donner, donc j'en le donnerai après dans la partie C'est vrai. arrivée. C'est intéressant à condition d'aller chercher un gardien expérimenté. Oui, Si voilà, c'est moi, pour mettre Strosek, j'avoue, je ne comprends pas. voilà, si c'est pour mettre Straxek numéro 1, qui a fait 3 matchs, pas mal. Alors, je vois tout le monde s'enflammer parce que c'est, bon, je sais pas si c'est parce que c'est un Polonais et que oui, c'est un petit crack qui est arrivé du championnat polonais, machin. Il a été bon, il a des qualités. Mais aujourd'hui, il n'a pas plus prouvé en 3 matchs que Poussin. Donc, ce serait très risqué. Ce serait autant risqué de mettre Straxek numéro 1. Donc, moi, aujourd'hui, voilà, si on fait partir Poussin en numéro 1, je suis dans un gardien avec plus de garanties, plus de bagages et d'expérience en Ligue 2. Mais Poussin, le truc, c'est que je ne vois pas où rebondir. Du coup, je ne sais pas dans quel type de club il pourrait aller. Si c'est Ligue 2, mais plus bas de tableau, ou alors à l'étranger. Belgique, comme ça, je sais pas. C'est un gardien qui est quand même sous contrat jusqu'en 2025, hein, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vérifié aujourd'hui. Je ne l'ai pas noté, mais de mémoire, 2025. On verra. En tout cas, c'est un dossier intéressant de voir comment Bordeaux va gérer ses gardiens, parce qu'il est sous contrat, faut il faut qu'il trouve un club, et tu ne peux pas avoir Poussin, Strošek, plus un troisième. Je pense que financièrement, tu ne peux pas te le permettre, à moins que Strošek parte et que Poussin Oui, soit à moins numéro 2. Mais je crois qu'on que le mette plan, Straxek. le plan du club, c'est de faire partir Poussin. Hein. Voilà, Oui, c'est parce que pas. du coup, Voilà. c'est, je Ouais. pense qu'il a aussi un salaire des plus importants. Et que c'est aussi ça aussi. Je pense que c'est la balance salaire, enfin salaire importance et Bordeaux l'a contrôlé sur prolongé, le donc ils l'ont terrain. prolongé. C'est Anmar Lopez qui l'a prolongé, certainement en l'augmentant Parce que la saison dernière. sa première partie de saison, on va dire avant Coupe du Monde, était bonne. Je me rappelle de matchs aller où il nous en a sauvé quand même quelques-uns. Mais c'est vrai que bon, en deuxième partie de saison, il y a eu des matchs où souvent quand on dit que quand un gardien il a qu'un arrêt à faire dans le match, il faut qu'il le fasse et parfois il l'a pas fait. Donc ça lui a porté défaut. Plus on va pas revenir dessus, mais bon, ses erreurs dans les matchs très décisifs, Le Ok. Havre ou Sochaux. Donc tout ça, voilà, lui a fait perdre du crédit. Et je sais pas aussi, peut-être que du coup, est-ce que les Lopez ont peut-être aussi fait en fonction des supporters. Il est très très décrié, Poussin. Donc est-ce que ça a joué aussi à cette décision? Je sais pas. Mais je ne suis pas étonné. On continue. Rémi Houdin, valeur transfert 4 millions d'euros. Ça a négocié avec Lecce. Est-ce que ça a avancé? On ne sait pas. Ça n'a pas bougé. Et enfin, 2 millions d'euros pour Malcom Bokele. C'est sa valeur transfert qui est sur le départ aussi. Hein. Malcom Bokele, qui est sur le départ des Girondins. Ce n'est pas une surprise. Hein. C'est annoncé depuis des semaines qu'il est sur le départ. Lui aussi a fait un changement d'agent, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, des contacts avec Clermont notamment. C'était ce qui était indiqué dans les gazettes. La Dommage. gazette. Donc ça veut dire qu'à droite, tu auras de toute façon Michelin et Louis Louis-Jean. Jean. Louis-Jean qui aura sa place peut-être pour s'exprimer. Salut à Ronaldinho Gaucho. Salut à La Réunion. J'ai vu que ça regardait. Salut à la Martinique, la Guadeloupe aussi. Et à tous ceux qui sont expatriés, qui ne sont pas en métropole. Métropole. Allez, on continue en avance avec. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de contenu aujourd'hui dans le club Mercato Bordeaux. Beaucoup de choses à dire. Et encore, on passe assez rapidement. Côté arrivée,
Alors, une bonne nouvelle, c'est hier soir l'officialisation de la levée de l'option d'achat de Zourico Davitashvili. Une vraie bonne pioche pour Bordeaux. Une levée d'option d'achat de 1,2 million d'euros, ce sont les chiffres qui circulent. Un contrat jusqu'en 2027 et c'est officiel. Et ça, c'est une bonne nouvelle, Marvin. Oui, parce qu'il va pouvoir confirmer sa bonne première saison pour un joueur qui arrive d'un championnat inférieur, dans un nouveau pays, jeune, à un poste où il avait de la concurrence, il a réussi à s'imposer assez vite. Alors, ça n'a pas été une saison, on va dire, rectiligne, dans le sens où il y a eu des baisses de niveau, mais c'est normal. Mais il y a quand même beaucoup de potentiel chez ce joueur, et du coup, on va pouvoir voir sur le long terme ce qui se confirme en lui à Bordeaux. Donc non, c'est une très très bonne nouvelle, Davitashvili. Puis si en plus on vient à perdre Bakoua, je pense que c'est bien de l'avoir officialisé. Voilà, Gaëtan Weisbeck, les dernières nouvelles, vous les avez tous lues sur Web Girondin. C'est une visite médicale qui est prévue mardi, selon les dernières informations. 26 ans, FC Sochaux Montbéliard, c'est un joueur atypique. Pour faire un peu son historique, tenez, j'ai préparé une petite fiche, c'est presque signé. Faut savoir qu'il a été formé à Strasbourg et en 2017, il a été mis en dehors du centre de formation de Strasbourg. Il n'a pas été conservé. Il a joué ensuite à Haguenau où il a évolué en N3 puis en N2. Et il a été repéré par Sochaux en 2019. Et à partir de là, de 2019 jusqu'à aujourd'hui, il a été au FC Sochaux. Il a 127 matchs de Ligue 2 à son actif. Sa meilleure saison, c'était en 2020-2021 avec 10 buts, 4 passes décisives. En termes de stats, hein, je parle, même s'il n'y a pas que les stats, il y a aussi la façon de jouer. C'est un joueur qui est un milieu central, qui est offensif. On peut le considérer comme un milieu offensif, qui est capable de jouer derrière l'attaquant. La saison dernière, c'est 32 matchs de Ligue 2, 5 buts, 7 passes décisives. Il n'a pas joué les 3 derniers matchs du FC Sochaux. Il est en contrat jusqu'en 2025. Il a une valeur transfert de 2,5 millions d'euros. À voir comment l'utilise David Guillon. C'est le joueur qui nous aurait fallu au mois de janvier pour upgrader la qualité de notre équipe et mettre Fran Sergio sur le banc, le faire descendre d'un cran. Il arrive maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, Marvin, de ce recrutement? Et vous, sur le chat, dites-nous ce que vous en pensez. Mais pour renforcer ce secteur de jeu où on était en grande difficulté cette saison, c'est un coup parfait, quoi. C'est un joueur qui est reconnu en Ligue 2 maintenant depuis plusieurs saisons. Il a fait, voilà, comme tu l'as dit, 4 saisons pleines. C'est une référence à son poste. Franchement, c'est un très gros coup de Bordeaux si on le fait signer, parce que c'est très technique. Il est décisif, hein. Il fait à chaque fois, je crois, des saisons à 10 buts et passes dés confondus. Il est à chaque fois à 10 ou plus. Donc c'est vraiment un très très bon recrutement. C'est très bien de. Parfois, c'est bien d'aller chercher des petits jeunes, des joueurs d'expérience de l'étranger, mais c'est bien d'avoir vraiment des joueurs qui connaissent surtout des postes aussi importants, qui ont plusieurs saisons pleines et de référence du championnat en question. Et là, Weisbeck, il correspond au profil parfait. Donc, c'est une très très bonne recrue. Moi, j'adore ce joueur en plus. Donc, on tire les coups francs aussi. Oui, c'est un très très bon tireur de coup franc. Donc, on aurait Barbé à la patte gauche et Weisbeck à la patte droite. Ce serait pas mal. C'est un droitier, tu as raison de le préciser. Donc, il jouait, c'est un milieu offensif. Je crois qu'il dépanne aussi sur le côté, mais c'est avant tout un pur 10 soutien d'attaquant, quoi. Ouais, c'est un milieu central. Et regardez, Ismaël Afoud, je ne sais pas si vous le suivez sur Internet, j'ai mis son compte sur Twitter, qui fait de la data. Et il nous a fait une petite data sur Gaëtan Weisbeck qui est assez sympa. Donc, ce que vous voyez, pour vous décrire ce que vous avez à l'écran, pour bien comprendre ses qualités et ses axes de progrès, donc la courbe de Weisbeck, elle est en vert fluorescent. Et vous avez, par exemple, volume de tir, les expected goals sans compter les pénalties, sa capacité à marquer des buts, le pressing, la récupération, la conservation de balles, la construction, la passe décisive potentielle, la création de passe, le dribble et la qualité des occasions qu'il amène. Ça, c'est lui en vert. En jaune, vous avez les milieux, les qualités, donc c'est de la data, médian, c'est-à-dire le milieu de terrain moyen, voilà, dans le monde. Et en rose, vous avez le top 10. Voilà. Et vous voyez, donc, ses axes forts,
c'est la conservation du ballon et la construction de jeu. Il est au-dessus du top 10 des joueurs très efficace sur ces qualités-là. Donc on voit que c'est sans sa qualité, ce sont ses qualités et c'est ce qui nous manquait. Hein. Construction de jeu, conservation de balle. C'est ce qui nous manquait. On voit après qu'il est pas mal dans le pressing et qu'il est normal sur les buts, création de passes, potentiel de passes décisives, normal. Il a un axe de progrès après sur peut-être sur le dribble. Voilà. Mais on voit que sa vraie force, c'est la conservation et la construction du jeu. Voilà. Ouais, c'est un joueur. Tout à l'heure, j'ai dit technique, c'était pas technique, je voulais dire c'était efficace, voilà. Parce que c'est pas toujours le joueur, c'est pas celui qui a peut-être traversé tout le terrain, être le plus fantasque, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui est très, très, c'est un joueur très, très intelligent, qui est très efficace et qui perd très, très peu le ballon. Il sait toujours ce qu'il faut faire, il prend très bien les informations, il sait ce qu'il doit faire quand il reçoit la balle. Donc c'est vraiment un joueur très, très important dans l'équipe. C'est un joueur qui sait enflammer le match quand il faut et calmer le jeu quand il faut. Enfin voilà, il a un gros volume, quoi. C'est un joueur, voilà, très, dans un match, on le remarque toujours. Donc, c'est bon, pour tenir le ballon, c'est vraiment un très, très bon joueur. Et pour servir nos attaquants, surtout. Ce qui nous a beaucoup manqué cette saison, c'est servir les attaquants. Et c'est un joueur qui sait très bien faire ça. Voilà, bienvenue à Arnaud qui nous rejoint sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me liker cette vidéo. Je ne sais pas à combien on en est. D'habitude, je vous donne un objectif. Là, il faudrait qu'on soit au moins à 200 likes, hein, les amis, parce qu'on vous apporte pas mal de contenu grâce à Ismaël, notamment, qui nous a autorisé à diffuser cette belle infographie. Donc voilà, Gaëtan Weisbeck, si tout va bien, il signe mardi son contrat avec les Girondins de Bordeaux. Je rappelle que la reprise, c'est lundi, la reprise. Eh oui, c'est déjà la reprise lundi. C'est fantastique. Ouais. Je trouve que cette intersaison est passée à une rapidité. Alors, parce qu'on a fini en juin. Donc, d'habitude, on finit en mai, mais là, on finit 2 juin. Mmh. Ça fait même pas un mois que. Tiens, il y a Loïc sur Twitch. Alors, je salue ceux qui nous regardent sur Twitch. Je vois que Tom vient d'arriver. Il dit waouh, on a un top mondial. Il va conserver comme Verratti et construire comme Kaka. C'est un top League 2. C'est ce qu'il nous faut cette saison. C'est un top League 2. Ouais. Alors, oui, Michelin, il reste, mais c'est le club. J'ai pas vu de tweet du club, à moins que ça m'ait échappé. Mais le club ne l'a pas officialisé. Mmh. Donc, ça reste comme ça. Qu'a subi aussi, le club ne l'a pas officialisé, hein, que ce soit cet hiver. Ils vont attendre le 1er juillet. Voilà, je le pense aussi. Je le pense aussi, tout à fait. Donc, Kasubi qui est un milieu plus défensif. Ouais. Voilà. Clément Michelin, on attend l'officialisation. Aliou Badji. On n'attend pas l'officialisation. Est-ce qu'il reste ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas trop. On ne sait pas, en fait. Zenvit Potnik, c'était la rumeur de cet attaquant de Maribor. Et voilà, un premier nom que je peux vous donner pour les gardiens, c'est Francis Uzoho. C'est un gardien qui a été proposé aux Girondins de Bordeaux. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est du Nigeria. Un gardien international du Nigeria, 1m96, 24 ans, 24 matchs, toutes compétitions confondues. Il a été proposé avec un prêt et une option d'achat aux Girondins de Bordeaux. Par exemple, donc il évolue à Nicosie, voilà, Omania Nicosie. Il a fait 8 clean sheets sur 16 matchs de championnat, par exemple, cette saison. Bordeaux regarde aussi. Alors je dis regarde, hein, côté de Sochaux, Prévost, pourquoi pas, on sait que Sochaux est en difficulté, et autour du côté de la Lettonie, si je ne dis pas de bêtises, avec le FK Oda et de Fabrice Ondoa, Camerounais. Voilà, qui est un gardien aussi très, très athlétique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Francis Uzoho, il a été proposé. Voilà. Est-ce que Bordeaux ira ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est une proposition qui a été faite au club, comme c'est souvent le cas, dans le mercato. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Marvin? Non, sur Uzoho, c'est un ancien bon prospect, parce que je crois qu'il a fait la Coupe du Monde 2018, si je ne me trompe pas. Et c'est là qu'il s'était fait remarquer, avec le Nigeria. C'était un jeune avec de l'avenir avant, mais au final, il a fait que des petits clubs. Hein. Je crois qu'en Espagne, il a joué que dans des clubs de D2. Et là, du coup, il joue à Chypre, donc c'est sûr que c'est pas un championnat incroyable. Il a que 24 ans, tu vois, je pensais qu'il avait plus. Donc, c'est un bon gardien, mais ça reste quand même risqué, même si il a pas encore de saison référence. Donc, contrairement, par exemple, tu as cité Prévost, peut-être qu'en qualité, intrinsèquement, Uzoho, c'est peut-être meilleur que Prévost, mais bon, Prévost, c'est un joueur pareil, comme Weisbeck, hein, qui connaît très bien la Ligue 2.
Ouais. Ce qui sera peut-être l'adaptation plus facile. Et Et regarde. celui Oui, vas-y, vas-y, je laisse terminer. Dupé, Ouais, Maxime Dupé. Dupé, ouais, de Ouais. Toulouse. Et il est libre, Je suis pas Maxime fan de Dupé, gardien. Toulouse. Moi, j'ai pas d'avis. Moi, je suis pas spécialement fan de gardien. Après, bon, avec les saisons qu'il a fait à Toulouse, on peut pas lui enlever. Après, moi, c'est personnel, je suis pas fan. C'est pas le genre de profil que j'apprécie. De libre, j'irais plus chercher, on l'a dit la semaine dernière, Escalès d'Annecy. Mais voilà. Donc voilà ce qu'on peut vous dire sur poste de gardien, ça travaille. Hein. Donc côté arrivée, alors beaucoup ont parlé de Gribic. Alors je l'ai mis, on fera pas le question-réponse, on les De fera. qui? Adrian Gribic, deux qui évolue. Pff, je sais même plus où. C'est Foot Mercato qui nous l'a sorti tout à l'heure. Alors attends, je reprends Hoffenheim. la news. Non non non, tu sais ce joueur de Ligue 2, cet attaquant, Ah, Gerbic, Gerbic, l'attaquant. Ah oui, voilà, oui, j'avais compris l'attaquant. Grilic. Oui, alors, Gribic, Gribic, y a pas de, Gerbic. ils ont oublié les voyelles. C'est Gerbic. Gribic, voilà, Lorient, Bordeaux et Metz sur Adrian Gribic. C'est Foot Mercato qui le dit, selon nos informations. Le joueur qui est de retour à Lorient, après un Ils vont prêt enchaîner les prêts. concluant, ce qu'ils mettent à Valenciennes, plaît beaucoup à plusieurs clubs. Saint-Étienne a pris des renseignements. Metz et les Girondins de Bordeaux aussi. Las Palmas et Monza également, pour ce qui est des clubs étrangers. Il est sous contrat jusqu'en 2025. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Puisqu'il nous demandait sur le chat ce que tu en pensais. Mais lors de la saison, je crois que c'est la saison où Lorient remonte qui fait une grosse saison. Mais depuis, il enchaîne, au final, le passage en Ligue 1, c'est un peu comme avait fait, je peux te rappeler, Umut Bozok de Nîmes, qui a fait une grosse saison à Nîmes, incroyable. Au final, le passage en Ligue 1, ça lui a pas du tout réussi. Garbi, c'est pareil. Donc, du coup, depuis, il enchaîne les Il prêts. a... Avant Valenciennes, il a été prêté, je sais plus où aussi, je crois, non? Pour Ouais, être à blessé. Valenciennes, il joue 14 matchs et il marque 9 buts. Oui, donc c'est un bon prêt. Hein. Ouais, si on Mais peut dire que c'est donc, concluant, ils ont raison de la le Ligue 2, dire. c'est son championnat. Donc si on le signe et qu'il marque 15 buts pendant la saison, c'est très bien. 1m88, c'est vraiment un attaquant central Ouais. qui a été en difficulté dès l'arrivée en Ligue 1. Il a quasiment pas Ouais. joué en Ligue 1 sur la première partie de saison. Il Mais fait deux matchs, il joue 23 minutes et ensuite il part. c'est le cas de beaucoup d'attaquants. Voilà, comme ça, comme j'ai dit, comme Bozok, il y en a d'autres. Hein, je ne me rappelle plus de suite, mais. Pierre-Yves Hamel aussi, c'était pareil, il avait fait une grosse saison et puis en Ligue 1, porté disparu. Il y a beaucoup d'attaquants comme ça. Donc pour la Ligue 2, par contre, Gerbic, oui, ce serait bien. Marvin, c'est l'heure de la bobonne idée. Un indice, la Ah, ça y bobonne idée. Personne ne l'a trouvé par rapport à la semaine dernière où certains l'avaient trouvé. Il n'y a pas est. Didi, c'est pour ça. Pense à Bah, lui. elle est moins facile à trouver que la semaine dernière. Allez, t'avais dit Qu'est-ce Copa que. Libertadores. Allez, milieu relayeur, milieu offensif. Milieu offensif relayeur. Ah, et Copa Libertadores. Tiens, Frédéric nous dit Cavenaghi est-il disponible? Non. Cavenaghi, il a la retraite. En plus, Frédéric, je pense qu'il le sait. Amérique du Sud, milieu offensif, milieu relayeur, c'est vraiment le poste de notre ami Franck Non, mais Servigne. je pense pas pourquoi il dit ça. Facundo Farias, nous dit Bertrand, que je salue, qui est socio. C'est un Ouais. Argentin, je crois. Allez, je vous envoie le jingle Bobonne Idée et on regarde quelle Bobonne Idée tu nous as choisie. À de suite. On a pour 15 secondes. C'est l'instant Bobonne Idée de Marvin Capes. Vous savez. Je sais que c'est la rubrique que vous aimez bien. Gabi Jean, la semaine dernière, tu nous avais choisi Marvin. Et aujourd'hui, je te laisse la commenter. C'est pas lui. Non. Elle est là, la bobonne idée. C'est Gabriel Villamil. Je te laisse te le dire. Villiers-Ville. Villamil. C'est dans un tout autre registre. Hein, on est à l'opposé vraiment de Gabi Jean la semaine dernière. Gabi Jean qui était un défenseur Ligue 2, bien connu après une bonne saison en Ligue 2. Là, on va sur un pari, on va dire, est un peu plus risqué, mais c'est un crack d'Amérique du Sud. Il est pas brésilien, pas argentin, pas uruguayen, pas colombien. Il est bolivien, c'est Gabriel Villamil. Du coup, il a 22 ans. Il joue au club phare de Bolivie, hein, c'est le Bolivar La Paz.
donc c'est le plus grand club local. Il a de l'expérience continentale puisqu'il joue en Copa Libertadores. Il a d'ailleurs, j'avais regardé deux matchs à lui où il a marqué d'ailleurs cette saison. C'était contre le club paraguayen de Porteño. Enfin voilà, c'est le crack du football bolivien, c'est lui. Il est international depuis quelques mois maintenant. C'est un joueur qui donc joue milieu central, milieu offensif. Voilà, c'est un joueur qui est dans le cœur du jeu, qui aime beaucoup, beaucoup être proche du ballon. Donc c'est pas un joueur à mettre sur le côté, c'est vraiment un joueur de cœur du jeu. Malgré son jeune âge, il est titulaire dans son club maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est sa deuxième saison pleine. Et pour moi, bien sûr, c'est un pari, il est jeune, donc c'est plus un pari pour l'avenir. On va dire un joueur comme qui arrive d'Amérique du Sud, d'un championnat mineur, c'est très rare que ça explose de suite. Mais que ce soit voilà, techniquement, niveau du volume de jeu, tout ça, c'est un joueur qui peut tout à fait passer le cap d'un championnat européen et de la Ligue 2 à Bordeaux. Donc voilà, moi c'est un crack que j'aimerais beaucoup voir au Girondins. J'aime beaucoup les jeunes joueurs comme ça. C'est un joueur très complet. Et c'est quoi Il son a de poste? milieu offensif, milieu relayeur, plus milieu relayeur, mais voilà, c'est un 8-10. Un peu Vesbec. Vesbec, mais voilà. Vesbec est peut-être Vesbec. plus offensif. Voilà, Vesbec est encore plus offensif. Oui. Ouais. On sait que Donc Bordeaux cherche un relayeur, hein. voilà. Donc en tout cas, si Monsieur Anmar Lopez est en pénurie d'idées, bon, j'espère pas, mais bon, en tout cas, il y a ce pari risqué à tenter, en tout cas en Bolivie. Enfin, pari risqué, non. Si je le donne, c'est que c'est pas forcément risqué, mais voilà, pour le long terme, il y a un coup à faire, je pense. Et si c'est pas chez nous, en tout cas, ça m'étonnerait pas qu'on le voie arriver en Europe et qu'on entende parler de lui dans les mois à venir. Il a 1 an de contrat, donc 2024. Alors, je ne sais pas si c'est début 2024 ou mi-saison 2024, puisque les saisons sont décalées là-bas. Ouais, là, il est en milieu de saison, hein. Voilà. Donc, si y en a qui ne dorment pas cette nuit et qui veulent l'observer, il joue à 2 h du matin en Copa Libertadores, justement, contre Palmeiras, il me semble, Ouais, qui est le l'équivalent de la Brésilien. Ligue des Champions, hein, par Voilà, c'est la rapport Copa à la mer Libertadores, c'est la Ligue et à des l'Amérique du Champions de Sud. l'Amérique du Sud. Donc, ben, l'avantage voilà, qu'il a avec son club, c'est qu'il la joue chaque saison. Hein, Bolívar, c'est le plus grand club de Bolivie, donc il joue cette compétition chaque saison. Donc, mine de rien, il a une bonne expérience là-bas. C'est un des cadres de son équipe. Et donc, voilà, techniquement, tout ça, pour moi, il correspond au profil dont on a besoin en ce moment. Et pour le long terme, ce serait un très bon coup que d'aller le chercher. Donc, Gabriel Villamil, le Bolivien du Bolívar La Paz. Bon, c'est vrai que c'est j'ai vu passer Atypique. des ouais, c'est atypique. Non, mais c'est intéressant. Depuis quand on n'a pas eu un joueur sud-américain à Bordeaux? Quel est le dernier joueur sud-américain que Bordeaux a recruté? On avait une avec Charles Pomporo Ouais. qui gérait ce type de contact depuis l'Amérique du Sud. On avait la possibilité de passer par lui. Là, j'ai l'impression que alors il y a Malcolm, mais est-ce qu'après Malcolm, on a eu quelqu'un? Alors Bon, il y a Aaron Barry qui est arrivé au même moment. sur le chat, ils vont nous aider à Cafou. chercher le dernier Sud-Américain. Ouais, Cafu, il est arrivé après, mais après cette génération-là. Fran, je suis bête, mais Fran Fran Sergio, mais Sergio, oui, oui. déjà. Mais oui. Bon, Mais après, il n'était pas au Brésil, il était déjà au Portugal. ouais, c'est C'est vrai. pas un joueur du championnat brésilien. Ah, mais il est Sud-Américain, il a Ouais. raison. C'est la mèche qui nous dit ça. Là, voilà. Il Oui, mais là, vous avez voilà. raison, cher. Avant, Vous avez raison. comme Roland, on allait chercher des Wally. joueurs, par exemple, comme Roland, tout ça, on allait les chercher en Amérique du Sud, ils n'avaient pas d'expérience en Ouais. Europe, et puis ils se formaient en Europe chez nous. Comme même Vada à l'époque, tous les Argentins qui arrivaient et qui se formaient à Bordeaux. Et puis bon, là, c'est en plus c'est un Bolivien en France. Je crois pas avoir déjà vu un Bolivien en France, donc ce serait une première, je crois. Ouais, j'ai déjà oublié Fran, je suis désolé. J'ai jamais. C'est vrai qu'il était brésilien, il n'était pas portugais. Oui, bien sûr. Bon, bah, écoute, merci pour cette bonne idée. C'est Petit crack sud-américain, voilà. Ça plaît toujours les bonne cracks idée. sud-américains. Ouais, crack. Bon, après, c'est pas galvaudé comme crack. On dit tous que c'est des cracks. Non? Bon, il joue la Copa Libertadores. Hein. Donc, bon, il est Deux buts en international. 5 matchs de Libertadores cette saison déjà. Et puis il a des stats, hein, donc franchement c'est Tiens, il y a Aurélien, il n'est pas content. Il dit non, merci, on a déjà essayé Pitou comme Paris et il nous en faut plus. Il nous faut des joueurs expérimentés qui connaissent la Ligue 2. Ah, on a Pitu pour fait. l'instant c'est pas un flop, c'est pas un top, mais c'est pas un flop Pitu. Il a fait 6 mois, il a fait des bonnes entrées, il a fait des entrées moins bonnes, mais on va voir. Hein. Ça se trouve cette saison il peut exploser.
Exactement. Bon, ben merci. Allez, on se fait le petit jingle de fin de vos bonnes idées et on se retrouve pour le question-réponse. Si vous avez des questions Allez. et des réponses, c'est le moment. J'en ai sélectionné une ou deux dans le flux de vos messages. Donc, vous avez 15 secondes pour les poser. Et voilà. Et non, j'y avais écrit. Pas deux fois. Allez, question-réponse. On est allé super vite en fait. Parce que j'ai dit tout ce que j'avais prévu de dire. Ouais, j'ai tout dit. Ah, on n'a pas fait la balance transfert. La balance transfert quand même. Avant la question-réponse. 1,5. C'est quoi les 1,5? David Tajvili plus le prépayant de Valsbeck, peut-être. Mais il n'est pas officiel. Donc voilà, David Tajvili plus. Voilà, on verra. En plus, tu sais qu'au 30 juin, ils font un arrêt comptable. Donc David Tajvili, ça doit peut-être compter sur l'exercice en cours. Et on attaque un nouvel exercice à partir du 1er juillet, comptable. Donc on verra. Peut-être c'est pour ça qu'ils n'ont pas tout levé. Peut-être que Michelin, du coup, ils le lèveront le 1er juillet. Ils vont répartir sinon. Tout à fait. Il y a Tony qui demande si on fait un repas d'adieu pour Fran. Non. Allez, les questions-réponses. Messieurs, est-ce qu'il y avait autre chose ou pas que le question-réponse? Voilà, question-réponse. C'est parti. Alors, j'ai noté une question. C'est ZZ. Qui s'appelle bien maillots, Zizou, c'est Zizou. Nicolas, est-ce que tu as des infos pour les maillots? On me dit que ça pourrait être présenté demain matin. C'est pas une info validée, mais peut-être demain matin. Voilà. C'est une rumeur qui circule depuis tout à l'heure, juste après-midi. Peut-être présentation des maillots demain. On verra. Seb Gauthier. J'espère qu'on aura un bon maillot à domicile, parce que les derniers, j'étais pas fan, forcément. Sauf ah ouais, t'aimais pas le dernier maillot? Souvent, j'ai le rouge d'il y a 2 ans. Cette saison, j'ai acheté le blanc. Celui d'avant, j'avais le blanc aussi, je crois. Enfin, ça fait quelques saisons, je ne sais pas le domicile, c'est pas celui qui. On réussit plus les extérieurs que le domicile, je trouve. Je trouve moi, les j'aimais bien le trop, trop gros et trop, ils descendent trop bas, j'ai l'impression. Ouais, mais moi j'aimais bien celui de cette saison, surtout sans sponsor, c'est surtout très joli. Oui, ça c'est beau. Ça fait maillot de sélection authentique. Seb Gauthier qui nous dit: salut la team, j'ai une question à vous poser. Pourquoi pas relancer Élis et Houdin à la place de Maja? Qu'en pensez-vous, sachant qu'Élis en Ligue 1 la première année, c'était pas dégueulasse, il avait marqué 9 buts. Qu'en penses-tu, Marvin? Alors, quitte à choisir, je serais plus à vouloir relancer Houdin, mais pas à la place de Maja, parce que c'est pas un neuf. Et parce que Houdin, bon, il connaît la Ligue 2, il a eu David Guillon à Reims, il le connaît parfaitement. Et Elis, bon, oui, il y en a plein des joueurs qui arrivent à marquer en renard des surfaces, comme ça, des buts en Ligue 1. Mais bon, en Ligue 2, ça, on l'a vu. Après, bon, est-ce que aussi il voulait jouer en Ligue 2 comme en Ligue 1? On ne sait pas. Mais bon, c'est pas sur ce là que je miserais le plus, encore moins sur Elis. Après, en solution de dépannage, ce serait pas une. Quitte à choisir, par exemple, entre Badji et Elis, je dirais peut-être Elis, par exemple. Mais bon, c'est pas dans mes choix prioritaires, quoi. Non, moi je vais répondre aussi. Je pense que déjà économiquement, c'est pas possible de les garder. Voilà, donc, 1,2 million par saison pour Houdin, seule solution c'est qu'ils partent. Sauf s'il réduit son salaire, mais je pense pas qu'il le réduise dans la mesure où le souhaite le club. Et pour Élis, je pense qu'il veut pas jouer en Ligue 2, Élis. Donc, oui, il voulait l'année dernière. En fait. Donc je pense que c'est, pour l'un et l'autre, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, en plus, c'est des joueurs qui sont pas forcément au top de leur forme. Donc, moi je suis pas. Non, pas en plus, par ce type d'idée. C'est le secteur, l'attaque, c'est le secteur de jeu. On a beaucoup de jeunes. Donc, si c'est pour enlever la place d'un jeune à un joueur qui, entre guillemets, va à moitié rester au club, etc., et à moitié intéressé par le projet, ça sert à rien. Exactement. J'ai sélectionné une autre question. C'est Tom qui nous dit: des changements au niveau du staff? Bon, non, pas à ma connaissance. Pas ma connaissance, pas de changement au niveau du staff. Et Anthony qui nous dit: t'as oublié Fran Sergio sur la balance? Non, il n'y a pas de Fran Sergio. Mais Fran Sergio, il part sans indemnité.
Donc, tu voudrais que je rajoute ce qu'on a dépensé pour qu'ils partent, mais on ne met pas les indemnités de résiliation, sinon je mets plus les dépenses pour recruter des joueurs. C'est plus ça que je mets dans les dépenses. Et les recettes, c'est pareil, on ne met pas ce qu'on économise sur les salaires puisqu'on n'a pas les chiffres. Les chiffres qu'on arrive à avoir, c'est uniquement les chiffres d'achat, prépayant ou indemnité de transfert et les ventes, quoi. Voilà, on arrive à voir que ça comme chiffre. Sur les économies salariales, on ne peut pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas de chiffres. Personne n'a ces chiffres. Voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Marvin? Ben, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Non, oui, c'est sûr que l'argent, dans les dépenses, on compte ce qui va apporter à l'équipe, ce qu'on dépense pour améliorer l'effectif pour la saison. Donc, c'est logique de ne pas compter fin de série dedans. Tiens, Jonathan, il nous dit, du coup, on repart bien en National 3. Non, on n'est pas C'est encore R1 repêché. On est en pour l'instant. R1. Donc Bordeaux repart en National 2, l'équipe. Ah, mais ça, vous le savez. Mais la N3 est toujours en R1. Elle n'a pas été repêchée encore. Il faut attendre, parce qu'il y a des clubs qui ont été rétrogradés. Il y en a beaucoup qui ont fait appel. Donc, il faut attendre que ces clubs-là fassent appel. Donc, pour savoir si la réserve est repêchée ou pas. Donc, on est dans l'attente. Voilà. Le club est dans l'attente. Je dis on, mais c'est le club. Bon, on a fait le tour. Merci. 18h54. Merci à vous pour cette belle émission. N'hésitez pas à vous faire le replay. On a délivré pas mal d'infos, notamment sur les gardiens de but. Marvin, est-ce que tu vas ajouter un dernier mot? Très content du coup de la journée d'hier, plein de bonnes nouvelles du côté des Girondins. Alors, je sais pas si Barbet, est-ce que du coup ça reste ou ça reste pas? Est-ce que t'en sais plus, tiens? Je pense qu'il La devrait rester. tendance. Il n'est pas La prévu, tendance, ok. même s'il s'est interrogé sur le projet, j'imagine que ce qui s'est passé ces derniers jours, ça a pu le L'a rassurer. convaincu. Voilà, et qu'il est convaincu. Alors, je ne parle pas, Donc hein, c'est je ne une sais bonne pas, nouvelle. mais je peux présumer qu'il est convaincu. Voilà. Voilà. Et puis ben non, Et tant mieux. pourquoi pas donc aller chercher ce petit crack en Bolivie qui, je le rappelle, pour les plus curieux, qui joue à 2 h du matin cette nuit. Donc si vous dormez pas, allez jeter un oeil. Tu redonnes son nom? Gabriel Villamil, le Bolivien. Villamil, Gabriel. Voilà la bonne idée. Eh bien, écoute, Marvin, merci beaucoup d'avoir été avec Merci à moi toi. et avec tous les sociaux et tous ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous soutenir en devenant abonné au Web Girondin. Comme ça, vous soutiendrez la chaîne et vous aurez accès à tout le contenu, même contenu exclusif sur le site et sans publicité. On se quitte avec le générique des sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Salut à toutes et tous, on se retrouve lundi en direct pour le talk à 19h30. On parlera football et mercato. Ciao, bonne soirée, Ciao, bonne bonne soirée. journée. I used to stick around, definitely not for too long. But boy, you got me hooked and made me wanna write this song. Thought all guys already scared, but I'm aware that you're special. So let me take us somewhere where we could be alone. When I look at you, I see a pretty picture. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach you how to open up real nice, baby.